sans que je sache de quoi ça résulte. Minon, je me suis pris de multiples insultes pour avoir des lunettes ou peu de marques chères. C'était souvent ma fête et des fois j'ai pris cher. Mais un jour un de ces mots m'est resté sur le cœur. J'avais révélé le nom d'un voleur dont les amis veillaient à ce qu'on garde le silence. Cela m'ont traité de petite balance. Si je me suis vexé, si ce terme a fait tâche, c'est qu'avec succès seule la vérité fâche. Je suis une balance et je le revendique. Je donne des noms, des faits, je suis un putain d'indic. Mitterrand commanda le génocide au Rwanda. L'industrie du tabac a détruit l'Ouganda. On prête le parc des princes à PPDA. La finance mondiale pilote les états. Le Vatican blanchit l'argent des trafiquants. Les Palestiniens du Liban grandissent dans des camps. Le nuage de Tchernobyl a fait le tour de la terre. Le premier budget du monde est militaire. Mêle pas, tiens ta langue, évite les démêlés. Va jouer au ping-pong, ne fais pas le fêlé. Tais-toi, ou l'on te coupe un doigt. Encore un mot sur ça et on te noie. On m'a menacé de violence, mais pour moi voilà la loi du silence. N'est qu'un film de Coppola. De qui suis-je le collabo, le délateur? J'en sais rien, mais j'ai tout le temps du mal à me taire. Je lis et en moi l'énervement secret. J'aime divulguer ce que je crois top secret. Alors si ça te dérange, éteins ton poste ou change. Car moi je poucave quand ça me démange. La France a mis l'Algérie à feu et à sang. Comme les USA pour l'Irak et l'Afghanistan. Bérégovoy est mort parce qu'il en savait. Total soutient la dictature birmane. On élève des requins dans le détroit de Gibraltar. On exploite les Marocains dans les champs sous le Cagnard. La Russie extermine le peuple tchétchène. L'État d'Israël est tenu par la droite extrême. Quand je sais un truc sale, je ne sais pas garder le silence. Se taire, c'est pire que mentir dans certaines circonstances. En plus, j'ai du souffle et de l'endurance. La première liste qui traîne, je la lis, je la balance. L'autre jour, on m'a viré du supermarché. On m'a pris pour un niqué car j'avais déballé la liste des courses entières et à haute voix. Je peux pas me retenir, c'est plus fort que moi. Berlusconi déclare admirer Mussolini. Les Kurdes sont opprimés par la Turquie. Carrefour et Danone braquent les capitaux. Un avion de l'armée coûte 3 hôpitaux. Nestlé fait des campagne anti-allaitement pour vendre au tiers-monde sans les empoudre aux mamans. Presque tous les journalistes ont pour patron des fabricants de mines, de chars et d'avions. Balance, balance, dénonce en cadence. On peut te faire la peau mais pas la conscience. Balance, entre en dissidence. C'est la loi du silence ou l'intelligence. Balance, balance, dénonce en cadence. On peut te faire la peau mais pas la conscience. Balance, entre en dissidence. C'est la loi du silence ou l'intelligence. Balance, balance, dénonce en cadence. On peut te faire la peau mais pas la conscience. Balance, entre en dissidence. C'est la loi du silence ou l'intelligence. Balance, balance, dénonce en cadence. On peut te faire la peau mais pas la conscience. Balance, entre en dissidence. C'est la loi du silence ou l'intelligence. Dans la garrigue escarpée, thermomètre à 47. Nous avons crapahuté un sesquin dans le squelette. Avec seulement nos serviettes et nos paires de chunklates. Pour arriver au calan qui passait la journée complète. Les genoux bien rimés, les t-shirts bien trempés. On jette nos montres et nos clés pour aller tous se baigner. Ici y a pas de playa, mais des rochers en pagaille. Et la grande bleue t'accueille, que tu sois bourge ou canaille. À Marseille, comme ailleurs, gars, c'est la galère. Le stress, la misère, sauf que là y'a la mer. À Marseille, comme ailleurs, gars, les jeunes ont les nerfs. Sauf que là y'a la mer, et pas la plus austère. À Marseille, comme ailleurs, gars, c'est la galère, le stress, la misère. Sauf que là y'a la mer. À Marseille comme ailleurs, car les jeunes ont les nerfs. Sauf que là y'a la mer et pas la plus austère. Après manger, tu le sais, il faut attendre 2 heures avant de se mettre à l'eau. C'est plus prudent pour le cœur. Alors pour passer le temps, on s'approche d'un collègue qui téléphone tout le temps. On le chope et on le nègre. En deux, c'est la filade qui finit en baignade. On a tenu qu'un quart d'heure.
heures, mais l'eau n'était pas très froide. Tentative de noyade, grand concours de cascade. Bombes imparables dans la maison des dorades. Et pour sauter dans la mer en faisant le billard, rien de tel qu'un rocher haut comme l'Himalaya. À la seule condition de passer quelques figures et de ne pas oublier de viser l'eau, bien sûr. Piquer, briller, carpé ou simple saut de l'ange, tout est bon pour que les filles écartent leurs franges et voient un corps d'athlète beau et plein d'éclat avant que le saut périlleux ne finisse en plat. À Marseille, comme ailleurs, gars, c'est la galère. Le stress, la misère, sauf que là y'a la mer. À Marseille, comme ailleurs, gars, les jeunes ont les nerfs. Sauf que là y'a la mer et pas la plus austère. À Marseille, comme ailleurs, gars, c'est la galère. Le stress, la misère, sauf que là y'a la mer. À Marseille, comme ailleurs, gars, les jeunes ont les nerfs. Sauf que là y'a la mer et pas la plus austère. Y'en a un qui prend toujours le tuba et le masque pour observer les mollusques jouer à la pelote basque. Les gobies, les esques ou les bancs de futures fritures. Ou un poulpe qui copule avec une vieille chaussure. On le voit plus depuis deux heures, c'est peut-être noyé. Non, c'est lui là-bas au loin. Juste à côté du voilier. Le fond, il en est à fond, il ne sait pas s'arrêter. Il va encore nous ramener une amphore ou un coffret. Il commence à se faire discret, à guincher vers l'horizon pour aller doucement se coucher. On remballe les affaires, c'est l'heure de rentrer. Mais demain c'est rebelote, il faut garder la santé. Garder le rythme et la note de la zik de l'été. De cassis à la couronne en passant par la redonne. Nager, bronzer, plonger, tout le monde se la donne. Marseille, comme ailleurs, gars, c'est la galère. Le stress, la misère, sauf que là y'a la mer. À Marseille, comme ailleurs, gars, les jeunes ont les nerfs. Sauf que là y'a la mer et pas la plus austère. À Marseille, comme ailleurs, gars, c'est la galère. Le stress, la misère, sauf que là y'a la mer. À Marseille, comme ailleurs, gars, les jeunes ont les nerfs. Sauf que là y'a la mer et pas la plus austère. On peut le voir sur les côtes de Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Togo et dans toute l'Afrique noire. Mais on ne le trouve pas dans les livres d'histoire. C'est un sapeur-pompier très spécial qui a tout l'équipement pour les feux de Bengale, mais qui garde toujours une petite cachette pour y mettre un chiffon, une boîte d'allumettes. Des plages du Cameroun au salon de Matignon sont tapés top secret, c'est pas tes oignons. Avec ses hommes de main et quelques missiles, il est le meilleur ami des présidents dociles. C'est le pompier, pyromane, pyromane, pompier. Pompier, pyromane, pyromane, pompier. Pompier, pyromane, pyromane, pompier. De l'Elysée, c'est le pompier, pyromane, pyromane, pompier. Pompier, pyromane, pyromane, pompier. Pompier, pyromane, pyromane, pompier.
de l'Elysée. Tous les coups sont permis pour placer ses pions. Ce sapeur mercenaire en connaît un rayon. Il sait mettre des paillons, offrir des avions. Mais jamais il ne passe à la télévision. Car ça n'intéresse personne de savoir qui sont les vrais assassins du continent noir. Rébellion sanglante, le dévastateur. Il en est l'auteur et dit je suis votre sauveur. Manipulateur, expert de l'incendie. Il vient des pays froidir. Je vous ai compris. Mais c'est quand il trace la carte de l'empire qu'il place au pouvoir les dictateurs les pires. Pour lui, le meilleur de l'hydrocarbure. Des matières pas chères, des ouvriers sûrs. Mettre à feu et à sang, diviser les clans. Cramer l'autonomie pour lui le désopulent. C'est le pompier, pyromane, pyromane, pompier. Pompier, pyromane, pyromane, pompier. Pompier, pyromane, pyromane, pompier. De l'Elysée, c'est le pompier, pyromane, pyromane, pompier. Pompier, pyromane, pyromane, pompier. Pompier, pyromane, pyromane, pompier. De l'Elysée. Tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous digère, dans tous les médias que les marchands d'armes gèrent, sert à nous faire oublier que le pyromane opère, qu'on détourne en totalité l'aide humanitaire, que l'Afrique rampe sous le poids de ses guerres, orchestrée par l'Elysée et ses mercenaires. Oui, l'Afrique rampe sous le poids de ses guerres, l'Afrique rampe sous le poids de ses guerres. C'est le pompier, pyromane, pyromane, pompier, pompier, pyromane, pyromane, pompier, pompier, pyromane, pyromane, pompier. De l'Elysée, c'est le pompier, pyromane, pyromane, pompier, pompier, pyromane, pyromane, pompier, pompier, pyromane, pyromane, pompier. De l'Elysée. Les amendes dans le train, les derniers bus manqués, les fourrières tous les mois, les moulons de PV, les alertes à la bombe et les taxis pressés, ça ne m'énerve plus. Les portières fracturées, les serrures forcées, la cambriole amateur pour un magnétogéné, la chagra dans le métro, les agressivités, ça ne m'énerve plus. Les épiciers muets, les bavards imbibés, les mères qui fument alors qu'elles attendent un bébé, les banques qui te bloquent de l'ombre, la CB, ça ne m'énerve plus. Ça ne m'énerve plus, tout ça ne m'énerve plus. Je ferai pas tout péter, ne soyez pas déçus. Je ne suis plus irrité, je suis zen et détendu. Hamdoula, je vieillis, ça ne m'énerve plus. Les papiers renvoyés, les dossiers incomplets, les demandes refusées et les queues au guichet. Ça m'a vraiment gavé, mais maintenant désolé, ça ne m'énerve plus. Les trottoirs tartinés de défécation canine, les vendeurs qui fouinent, les gastro, les angines, les portes qui grincent et les chaussures qui couinent, ça ne m'énerve plus. Les assurances qui te pompent comme des voleurs et qui te mettent un majeur en cas de problème majeur. Même si d'habitude ça me gave et ça m'écœure, ça ne m'énerve plus. Ça ne m'énerve plus, tout ça ne m'énerve plus. Je ferai pas tout péter, ne soyez pas déçus. Je ne suis plus irrité, je suis zen et détendu. Hamdoullah, je vieillis, ça ne m'énerve plus. Les ados tristes à la mine, patibulaire, ça ne m'énerve plus. Les restos qui ressortent les plats du micro-ondes, les vieux qui te parlent de leur neveu en Gironde, les enfants qui te répondent, je te la mets profonde, ça ne m'énerve plus. On n'a qu'un seul câble, alors autant pas qu'il pète. On n'a qu'un basketball, on n'a qu'une seule dette. Vous pensez peut-être que je mens comme un élu, mais les petits tracas, les ennuis superflus.
Certains pratiquent le kung fu et d'autres le judo. Certains font du tai chi ou encore du taekwondo. Moi je pratique un art qui m'évite des ennuis, qui demande beaucoup d'efforts mais qui souvent réussit. Quand il faut juste aller sans s'énerver d'un point A de la ville jusqu'au point B, il y a de quoi saliver, prendre le vice de voler quand on voit ce qui se vend ou qui passe sous le nez. Et si je me paierais bien des choses à 100€, des CD au kilo, une Jennifer stéréo, je préfère surveiller que mes pieds avancent bien. Il vaut mieux raisonner quand on n'a pas les moyens. Je pratique l'art de regarder par terre. Je suis ceinture noire de l'art de regarder par terre. Je pratique l'art de regarder par terre. Je suis ceinture noire de l'art de regarder par terre. Si je passe devant des luxueux restaurants, je pose mon regard sur le béton, le ciment. Car même si j'ai faim et qu'il me faut manger, les menus raffinés ne sont pas dans mes budgets. Quant au petit matin, je sors de chez moi serein, que des affiches énormes exposent des paires de seins. Admirer des femmes offertes, je sais c'est humain, mais je préfère éviter et tracer mon chemin. Car c'est pornographique, tout autour du trafic. Fais ces points érotiques, c'est l'urbaine esthétique. À chaque point de rue, on me met sur deux frais. Je baisse la tête, je me tords le cou, mais je pratique l'art de regarder par terre. Je suis ceinture noire de l'art de regarder par terre. Je pratique l'art de regarder par terre. Je suis ceinture noire de l'art de regarder par terre. Plus loin j'entends dire, Le Pen me fait plus peur. Je sais qu'à leur parler je perdrai un quart d'heure. La peur de l'étranger est trop ancrée dans leur cœur. Et ouais, qu'est-ce que tu peux faire contre le journal de 20h? Quand en rentrant chez moi, trois policiers me fouillent. Je ne vais pas m'amuser à trop mater leurs bouilles. J'ai besoin de mes dents pour mâcher mes nouilles. Je regarde le sol, les flics me mettent la trouille. Quand je croise les étudiants déguisés en citrouille, pour une fête américaine dont tout le monde se battait les couilles. Institué par des firmes pour s'en mettre plein les fouilles. Au lieu du full contact, j'évite les embrouilles. Je pratique l'art de regarder par terre. Je suis ceinture noire de l'art de regarder par terre. Je pratique l'art de regarder par terre. Ceinture noire de l'art de regarder par terre. Car observer le sol est une sage méthode. Quand la bêtise humaine dans la rue rôde, des envies, des problèmes ou du sang évité par l'art de regarder le bas des murs effrités. Je pratique l'art d'admirer le bitume. Car la colère s'attrape aussi vite que le rhume. C'est un feu invisible qui pour un rien s'allume. Te fait te croire invincible mais te remplit de brume. Il est souvent mauvais de céder à ses passions. Il n'est pas toujours bon d'offrir son opinion, sauf à être témoin d'un danger, d'une agression. Mater l'asphalte est souvent la meilleure solution. Pourtant parfois bien sûr il faut lever les yeux. Quand le ciel par l'éclair est brisé en deux. Quand le vent déracine les chênes les plus vieux. Quand la tempête soudaine ravage un lieu. Quand le soleil se couche en pourprant l'horizon. Quand il se lève sous un brouillard de saison. Quand sa lumière s'étend sur de vastes forêts. Quand le vent glacé s'éteint laissant place à la paix. Quand des nuages en marbre dessinent des palais. Quand de grands sages arbres se tiennent en vallée. Quand un arc-en-ciel trône au milieu des vallées. Quand un oiseau de proie tourne une improbable clé ouvrant l'accès à des cieux, invisibles à nos yeux, mais que le cœur tremble et vibre à la gloire de Dieu. Sa nature immense, comme un grand livre ouvert, alors profite de la lumière, respire le bon air et pratique l'art de regarder en l'air.